You are now tuned in to the world's greatest. Tonight is the night. Eh bien bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct pour Monday Night Raw. Nous sommes à peine 3 semaines de Clash at the Castle. Et ce soir, le titre intercontinental sera défendu par The Miz contre Main Event Jey Uso. Et également, est-ce que le chef tribal sera présent ce soir? C'est la grande question. S'il n'est pas là, le General Manager a dit qu'il lui retirerait sa ceinture. Et dans notre main event, Drew McIntyre affrontera le Ring General Gunther dans un match sans disqualification. C'est ce soir dans Monday Night Raw. Et on attaque cet épisode de Monday Night Raw par le match pour le championnat intercontinental. Main Event Jey Uso affronte The Miz. Le General Manager William Regal a déclaré ce match officiel suite à cette petite conversation entre lui et le Miz la semaine dernière. Merci d'accueillir le nouveau champion intercontinental, The Miz. Vous avez dit que j'allais remporter ce match. Félicitations pour ta victoire, Miz. Il va maintenant falloir parler de ton prochain adversaire pour le championnat intercontinental. Attendez, je viens juste de remporter mon titre. Vous n'allez pas le remettre en jeu dès maintenant quand même. Tu devrais prendre exemple sur le champion US du côté de SmackDown. Ray va mettre en jeu son titre dans un US Open Challenge. Ray fait bien ce qu'il veut du côté de SmackDown. Si tu ne veux pas choisir un adversaire, je vais le choisir pour toi. Du coup, la semaine prochaine, tu défendras ton titre intercontinental contre Main Event Jey Uso. Jey Uso qui est toujours belle attraction et qui a une très bonne entente avec le public de Monday Night Raw. Et voici son adversaire du soir, le champion intercontinental qui défend son titre ce soir, The Miz. Le Miz qui a remporté le championnat intercontinental à Backlash il y a un peu plus d'une semaine dans un match No Holds Bar contre Kane avec une fin un petit peu surprenante. Si vous voulez revoir, vous pouvez retrouver Backlash disponible en VOD sur la chaîne YouTube gratuitement. Et c'est parti pour ce match, pour le championnat intercontinental. La parole à Samantha pour l'introduction officielle de ce match. Introducing the challenger from San Francisco, California, weighing in at 242 pounds, Main Event Jey
Et c'est parti pour ce match de championnat avec Le Miz qui attaque très fort d'entrée de jeu. Main Event Jey Uso qui est dans ce match pour l'instant en difficulté, mais qui peut potentiellement remporter son premier titre solo à la WWE. A remporté plusieurs fois des championnats par équipe avec son frère Jimmy Uso avant de se séparer lorsque Jey Uso a quitté de manière un peu violente la Bloodline. Jey Uso qui s'est jeté sur le Miz mais qui n'était plus là à ce moment-là. Neckbreaker du Miz avec un premier tombé. Simplement deux. Jey Uso qui reprend la main dans ce match. Pas pour longtemps. Miz qui le projette par-dessus la troisième corde. Le coup de la corde à linge. Pour faire tomber en dehors du ring. Main Event Jey Uso. Le Bigfoot du Miz sur Jey Uso. On est déjà à 6, par contre, il va falloir penser à rentrer sur le ring. À 8, du coup, le retour sur le ring de Jey Uso. Jey Uso qui fait un porté. Mais le Miz qui s'en échappe. Et cette fois-ci, c'est au tour de Jey Uso d'envoyer le Miz à l'extérieur du ring. On est aux abords de la table des commentateurs. Samoan Drop à l'extérieur du ring de Jey Uso. Et un deuxième dans le ring. Le Miz préfère ressortir légèrement, puis re-rentrer. Et le tombé de Jey Uso. 1, 2. On n'était pas loin d'avoir un nouveau champion intercontinental. Le splash, mais personne n'était là à la retombée pour Jey Uso. DDT du Miz. Il est en position. La prise de soumission de figure fort appliquée par le Miz. C'est contré par Jey Uso. La pression est maintenant inversée entre les deux hommes. Spinebuster de Jey Uso sur The Miz. Le compte sur le ring. 1, 2 et 3. Nous avons un nouveau champion intercontinental. Main Event Jey Uso. Main Event Jey Uso, le nouveau champion intercontinental. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Monday Night Raw. Paul,
Oui, Roman Reigns. Monsieur Rigaud. Je t'ai prévenu la semaine dernière. Si Roman Reigns n'est pas là ce soir, avant la fin du show, je lui retire son titre. Il sera là, il sera là. Je vous promets, il sera là. J'espère pour lui. Appelle Roman Reigns. Pour l'instant, a priori, nous sommes sans nouvelles du champion, World Heavyweight Champion Roman Reigns. Il a jusqu'à la fin du show pour se présenter. En attendant, on retourne sur le ring avec de l'action tag team. Grayson Waller et Austin Theory vont affronter le New Day. Avec l'entrée du partenaire de Grayson Waller, Austin Theory. Ces deux hommes vont affronter Xavier Woods et Kofi Kingston qui représentent le New Day dans le match tag team de ce soir. Et le New Day est dans la place, ce qui veut dire distribution de pancakes et de céréales, des burritos. Et c'est parti pour ce match tag team. Ethan Down Under contre The New Day. Là, Xavier Wood qui a essayé de mettre un coup à Grayson Waller. Mais il est passé à côté.
L'athlétisme toujours impressionnant de Kofi Kingston. En action. Tag entre Kofi Kingston et Xavier Wood. Pour l'instant, ça combine bien entre l'équipe de Nudé. Allez, un peu trop vite, comme souvent. Grayson Waller. 1. Seulement 1. Kofi Kingston n'a même pas bougé sur le bord du ring pour essayer d'intervenir et éventuellement essayer de casser le compte. Grayson Waller qui va pouvoir tag Austin Theory dans ce match. La coastline de Austin Theory sur Xavier Wood qui va taguer Grayson Waller. Tag de Xavier Wood vers Kofi Kingston. Mais c'est quand même Grayson Waller pour l'instant qui garde le contrôle sur ce match. Le splash de Kofi Kingston sur Grayson Waller. On est dans le coin, côté New Day qui tag. Et ça combine entre les deux membres du New Day. Le porté de Xavier Wood sur Grayson Waller. Ça continue de taguer rapidement entre les deux membres du New Day. Grayson Waller qui réussit à faire le tag vers Austin Theory. Une petite erreur du New Day là qui a permis à Austin Theory, l'homme frais, d'entrer dans le match. Qui lui va s'en prendre directement à Kofi Kingston. La powerbomb. Kofi Kingston qui préfère sortir pour récupérer un petit peu. Souplex d'Austin Theory. Et le tombé. 1, 2. Theory qui emmène Kofi Kingston dans le coin. Tag entre les deux membres d'Ethan Down Under.
Le coup de coude sur Kofi Kingston. Kofi Kingston qui est isolé pour l'instant. Austin Theory qui est tagué pour entrer dans le match. Pendant que Kofi Kingston essayait de ramper de son côté, mais il était trop loin pour pouvoir atteindre son coéquipier. Et pour l'instant, c'est toujours Kofi Kingston pour le nuder. Clothesline. Et le tombé de Austin Theory, mais cassé par Kofi Kingston. Grayson Waller et du coup et Xavier Woods qui se combattent à l'extérieur du ring pendant ce temps-là. Austin Theory qui continue son travail sur Kofi Kingston. À nouveau dans le coin, à l'attaque par derrière. Et Kofi. Oh, Kofi Kingston qui a essayé de taguer Xavier Wood. Ça a été empêché par Austin Theory. DDT. Mais c'est une théorie qui perd du temps à discuter avec Biggie à l'extérieur du ring. Ce qui a permis à Kofi Kingston de taguer son coéquipier et de faire rentrer Kofi Kingston dans ce match. Le Nudé qui travaille ensemble pour essayer de faire un maximum de dégâts à Austin Theory. Et le tombé, 1, 2, et oh, on n'était pas loin du 3. Ça a failli être une victoire du New Day dans ce match. Kofi Kingston qui est tagué pour rentrer dans ce match. DDT à nouveau. Et le splash plus le tombé. 1, 2, et 3 victoires du New Day dans ce match. Le New Day qui remporte ce match. Ils vont se retrouver, ça se trouve, en liste pour être les prochains number one contender pour le match, le Raw Tag Team Championship. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Monday Night Raw. Ne bougez pas, tout de suite. Nous sommes de retour à Monday Night Raw avec de l'action in-ring. Becky Lynch va affronter Dakota Kai de Damage Control. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Dublin, Ireland, Becky Lynch.
Et l'entrée de l'adversaire de Becky Lynch, Dakota Kai, qui arrive sur le ring. Et je vois qu'elle est accompagnée de deux autres membres de Damage Control, Bayley et Io Sky. À voir si le fait que Bayley et Io Sky soient au bord du ring et vont avoir une incidence sur le match. Mais en tout cas, le match ce soir est prévu en 1 contre 1 entre Becky Lynch et Dakota Kai. Et c'est parti pour ce match entre Becky Lynch et Dakota Kai, avec Becky Lynch qui prend l'ascendant en ce début de match. Avec une prise de soumission d'entrée de jeu, mais cassée la soumission par Dakota Kai. Becky qui met Dakota sur le bord de la corde pour exercer une pression sur le bras de Dakota Kai. Souplex de Becky Lynch. Pendant que Becky Lynch travaille sur le corps de Dakota Kai, on a vu Bayley qui a enlevé la protection du coin du ring. Petite perturbation qui a permis du coup à Dakota Kai de reprendre la main sur le combat. Et Becky Lynch qui reprend clothesline, deuxième clothesline. Et le dropkick. Plus le tombé sur Dakota Kai. 1, 2 et 3. Victoire très rapide de Becky Lynch dans ce match. Becky Lynch qui remporte donc ce match. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Monday Night Raw. Ne manquez pas, ce vendredi, lors de Friday Night SmackDown, le match de championnat pour les WWE Women's Tag Team Championship, où l'équipe de Chelsea Green et Piper Niven défendront leur titre contre Unholy Union. C'est ce vendredi à Friday Night SmackDown. S'il vous plaît, chef tribal, où est-ce que vous êtes? Rappelez-moi vite, le main event est sur le point de commencer et vous risquez de perdre votre ceinture. Et il est maintenant l'heure de notre main event pour Monday Night Raw. Drew McIntyre affronte le ring général Gunther dans un match sans disqualification.
The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Ayr, Scotland. Weighing in at 254 pounds, the Scottish Warrior, Drew McIntyre! Drew McIntyre qui est censé affronter Roman Reigns à Clash at the Castle pour le World Heavyweight Championship. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore une nouvelle du chef tribal. Pour rappel, le General Manager a dit la semaine dernière que si le chef tribal n'était pas là cette semaine, il lui retirerait son titre. Mais pour le moment, Drew McIntyre ne peut pas trop se concentrer sur Roman Reigns. Il doit se concentrer sur cet homme, le Ring General Gunther, qu'il affronte ce soir dans un match sans disqualification. Et c'est parti pour notre main event de la soirée. La semaine dernière, Drew McIntyre a remporté le Gauntlet Match dans lequel il a battu Big E, LA Knight, Sheamus, Kane et le retour surprise du Hurricane pour se qualifier pour Clash at the Castle où il aura un match de championnat pour le World Heavyweight Championship. Le tout est de savoir si ce sera contre Roman Reigns ou pas. Et c'est parti, Gunther qui démarre fort dans ce match avec le coup de genou sur le visage de Drew McIntyre. Le général qui tente directement une prise de soumission contrée par Drew McIntyre. La projection de Drew McIntyre, il a envoyé Gunther très loin dans le ring. Mais il en faut plus pour intimider le Ring Général. Alors qu'il a l'air de se passer quelque chose backstage. Oui, Roman Reigns, le chef tribal, arrive à Monday Nitro. Est-ce qu'il se dirige vers le ring? Et pendant ce temps-là, qui a choisi de sortir du ring, qui va faire rentrer une première arme dans ce match? Un kendo stick. Mais McIntyre, qui l'attendait sur le ring, on ne peut pas surprendre le Scottish Warrior comme ça. Le takedown de Gunther. Contré White Noise de Drew McIntyre. Le compte. 1, 2. Alors que la musique de Roman Reigns qui arrive. Roman Reigns est là ce soir. Il vient, il rentre sur le ring. Et il attaque et spear sur Drew McIntyre. Pour rappel, c'est un match sans disqualification. Le compte. 1, 2. Drew McIntyre qui survit à la spear de Roman Reigns. Gunther qui récupère le kendo stick. Claymore
la claymore de Drew McIntyre sur Gunther. 1, 2, on n'était pas loin du 3 également. La souplex, et c'est Drew McIntyre qui va servir du kendo stick. Contré par le ring général 2. On était encore qu'à 2. Les deux catcheurs qui sont à l'extérieur du ring maintenant. Hunter qui envoie balader son adversaire. Et qui continue de faire des dégâts. Drew McIntyre. On est à un compte de 5 bientôt. De la part de l'arbitre. Il va falloir rentrer sur le ring pour les deux superstars. Oh, c'était très limite. On était à 9 3/4. Gunther qui reprend la kendo stick et qui refait les dégâts, qui a cassé carrément la kendo stick sur la jambe de Drew McIntyre. Mais qui arrive quand même à se relever. Et c'est Drew maintenant qui domine ce match. La powerbomb de Gunther, 1, 2 et 3. Victoire de Gunther. Here is your winner, Gunther. C'est Roman Reigns qui doit être content, qui a fait des dégâts à Drew McIntyre et qui lui a peut-être coûté ce match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu le chef tribal ce soir à Raw. Il garde donc sa ceinture et nous aurons bien Drew McIntyre contre Roman Reigns à Clash at the Castle. Merci d'avoir suivi Monday Night Raw. On se retrouve vendredi pour SmackDown. Bonne soirée.